Et dans cette maison, dans ce lieu sublime qui a abrité le plus grand artiste qui a été le meilleur ambassadeur du Maroc, qui est Delacroix, pendant un mois. Delacroix a vécu ici un mois. Et donc, je vais commencer mes remerciements d'abord à Madame Jolès, qui nous a, avec son association, vous allez le voir, offert pour commencer cette magnifique et belle donation de Didier Santis. Elle nous a offert un petit Delacroix magnifique, fait au Maroc, pour rendre hommage à cette personnalité unique qui a bien évidemment révolutionné l'art moderne, parce que c'est lui qui a apporté à la fois dans ses pensées, dans son cœur, juste. Alors juste un mot pour dire que dans la relation entre le Maroc et la France, on est extrêmement fiers que des grandes personnalités, des grandes institutions, l'Institut du monde arabe, présidé par Jack Lang, avec toi, fassent leur boulot, c'est des institutions. Mais cet amour, cette relation, elle passe aussi par des individus qui ne sont pas des officiels, qui ne vivent pas d'argent public, qui tout simplement, parce qu'ils ont découvert ce pays, parce qu'ils l'aiment, bah, contribuent aussi à ces échanges et à nourrir ce lieu qui est le vôtre, de tout votre regard de collectionneur, de tout votre investissement personnel. Et je trouve que ça dit beaucoup sur cette relation qui ne peut pas être exclusivement celle des institutions ou des États, et qui est d'abord celle des hommes et des femmes des deux côtés de la Méditerranée. Donc je voulais vraiment vous rendre hommage, parce que derrière vous, ben c'est finalement tous les Français qui sont honorés et, voilà, et qui participent à cette relation. والمؤسسة الوطنية للمتاحف وظفتها كمتحف لاستعادة الذاكرة الدبلوماسية لهذه المدينة والدور التاريخي الذي لعبته هذه المدينة بشكل مستمر في القرن 18 و 19 إلى غاية الفترة الاستعمارية. المتحف اليوم يقدم صورة متكاملة عن هذه الفترة وعن أيضا إسهام المغرب كضوء كفضاء وكساكنة أيضا في التأثير على مفهوم الشرق عند الفنانين المستشرقين. لهذا المعرض فيه شقين، فيه جانب يحكي التاريخ الدبلوماسي وشق آخر يحكي الإبداع الذي أنجزه الفنانون الأجانب في المغرب انطلاقا من دولاكروا أو اقتفاء لأثر دولاكروا إلى بداية القرن العشرين. Impressionniste, mais c'est toujours ton jeu. Là, c'est les Riffen. Hein, ah, tout à fait, les frères de marché. Et en tout cas, je voulais faire toujours de là-bas. C'est lui à droite. C'est lui à droite sur notre portrait. Il vous ressemble beaucoup. Il a l'air d'Hidalgo. Ah oui, oui. On va pouvoir...
Il y a